Mon mot, c'est sans aucune hésitation, c'est le premier auquel j'ai pensé, c'est fantaisie. C'est un mot ouvert qui finit en i, fantaisie. Mais c'est ce qu'il évoque, c'est pour moi, c'est de la résistance. C'est la résistance, la fantaisie. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre la vie avec poésie. C'est un objectif, c'est quelque chose que je voudrais garder, que je pense cultiver, qui est aussi quelque chose que je regarde, que j'aime bien saisir, que j'apprécie beaucoup chez les autres. Il évoquait une rébellion possible, dans ce que ça a de grave, et c'est quelque chose de sérieux. Il évoque le regard que j'ai sur le monde. Aimé, parce que le mariage, 25 ans, mon mari avec moi, c'est toujours chercher mon problème. Il est trop jaloux. J'aimais beaucoup. J'ai besoin, il a aussi comme moi, aimé moi. C'est 10 ans, c'est avec lui 10 ans, c'est problème 10 ans. Après, je suis malade. Malade, je pense. Tout le monde aimait comment j'aimais toi, t'aimais moi, c'est ça, c'est bien, c'est paix, la paix. C'est mieux désirer tout le monde qu'on est aimé. Pour tout le monde, c'est pas très facile, difficile. La liberté. J'aime beaucoup un mot belle parce que la vie est belle. Tout le monde est belle. Parce que tu es belle. La vie est belle. Tout le monde est belle. C'est ça? Ça c'est belle, c'est parler le cœur belle. Tout le monde, le cœur belle, c'est mieux. C'est plus. Et les gens belles. Ça veut dire ça. Il y en a beaucoup qui regardent. C'est regarder moche, c'est comme ça. C'est la tête. Dans le beaucoup de choses. C'est très intelligent, mieux tout le monde.